Et salut à toutes et à tous, on se retrouve pour l'épisode 9, il me semble, si je dis pas de bêtises, de Rise of Tomb Raider. On s'était donc arrêté ici. Je l'ai ouvert ça? Ouais. Ah, non, ça s'ouvre pas en fait. On s'était donc arrêté ici pour. On avait fait, pardon. Il y a un truc. On avait fait la quête secondaire. Pardon, excusez-moi, c'est juste que j'ai vu autre chose. On avait fait la quête secondaire donc qui était dans le coin, donc on l'a fait, du coup on la voit plus. Et il y avait un autre truc qui m'intriguait, mais il me semble que je peux pas y aller parce que je n'ai pas le matériel pour, donc tant pis. Ah, attendez, il y a quelque chose. Non, monte, s'il te plaît, monte. Voilà, il y avait ça. On va monter. Allez, monte. Je crois que je suis déjà monté en fait, hein, mais par précaution, on va y retourner. Ouais, il me semble que j'étais déjà monté. Hein. Ouais, j'étais déjà monté. Quoique. Pas sûr. Par précaution. Bon, on va y aller. Mène ici. Ah bah si, j'étais dévalé dans tous les cas. Ça servait pas à grand chose à part descendre en fait. Ouais, d'accord. Ok. Donc maintenant du coup, il fallait que j'aille là-bas. Est-ce qu'il y a des trucs facultatifs dans le coin? Presque. On va. Bah, il faut que j'appuie là-dessus. On va aller là-dessus. Que l'entrée, elle est là-dedans. Et là-dessous, hein, le donjon. La fresque est au-dessus. En fait, j'ai l'impression que le donjon il est au-dessus en fait, c'est très bizarre. Ah ouais, c'est juste là en fait. Tu as été la première à faire briller l'étoile du progrès. À la gloire des cosmonautes. Le russe. Attends, si j'arriverai pas à la choper. Ça passe. Je vais dire, il y a des pingouins en bas, mais pas du tout. Alors, l'entrée du défi tombeau. On va aller voir. L'entrée elle est dessous et c'est ça. Hein. Elle est juste là, là. Elle est juste là. Alors il y a ça qui brille et ça là-bas aussi. Juste là, pourquoi? J'arriverai pas à savoir pourquoi en fait. Est-ce que je peux monter dessus? Pas d'impression, non, je peux pas monter dessus. En fait, je vais pouvoir couper cette corde, mais comment, je ne sais pas. Et d'accord, ça a bugué. Là, je peux descendre. Alors, où je peux m'accrocher dessus? Non, je ne peux pas m'accrocher dessus. Il doit y avoir un truc à faire avec cette corde, enfin avec cette caisse. Alors, attends. Alors, est-ce qu'il faut que je monte là? Et que je fasse quelque chose comme ça. Ah! Oui, il y a quelque chose dessus à récupérer. Je viens de le voir. Ça brillait. Le problème, c'est qu'il faut que je monte dessus. Alors, comment faire? Moi, je vois que c'est ça, en fait. Et là, pareil, il y a ça aussi. Qui brille. Peut-être que avec le flingue, je verrai un truc rouge. Ouais. Ok. Ouais, non, bon, bah c'est pas grave. Hein. On va pas s'éterniser là-dessus. Et le tombeau, j'imagine que c'est pareil, je ne peux pas y aller. Alors j'espérais que on puisse y aller, mais il est dessous. Alors, pour moi, là, ça serait ici, hein, mais je vois pas comment y aller. Thank you.
calmera. Voilà. Parce que là, j'arrivais pas à les. En fait, je voyais pas très bien et j'arrivais pas à les viser. Du coup, j'ai préféré. Apparemment, j'en ai touché un. Ouais, j'en ai touché un. J'ai préféré balancer une flèche comme ça. Donc, alors, apparemment, l'entrée du tombeau serait ici. Ok. Le problème, c'est que vous savez très bien que je ne sais pas comment on peut avancer. Si, il y a l'air d'avoir quelque chose. Ah oh non, un bug de lumière, rien que ça. Ah, intéressant. Ouais, non, bah non. C'est bel et bien pas ici. Donc doit y avoir une autre grotte à la... Une autre grotte. Quelque part. C'est pas grave. Donc on va enlever ce point. Hop. Et on va du coup aller à l'objectif, évidemment. Donc c'est où l'objectif? Pardon, là-bas. Ah, je peux la dépasser. Je pensais l'avoir déjà fait. Ok. Donc. Par là-bas. Donc on va y aller. Parce que de toute manière, je vois que ça en fait. Ah, il faut aller là-haut. Ah merde, c'est vrai qu'au bout d'un moment elle lâche la flèche, j'avais oublié. Ah, c'est peut-être dans cette grotte. Tu me le redis. Il y a quelque chose à... Ah oui. On va aller voir, hein. C'est peut-être dans cette grotte, hein, mais ça m'étonnerait. Ah, c'est un peu plus clair déjà. Non, ça n'a pas l'air. Ah si, 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 c'est là. Et oui, mais j'ai pas l'arc pour. Donc ouais, c'était ça, donc ok. Et tant pis, il faudra revenir là beaucoup plus tard, je viendrai là très 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 tard. Ou alors dès que j'aurai l'arc, si je suis encore dans le coin, mais ça m'étonnerait. Donc on va monter du coup. Paroi à escalader. Celle-ci, ça escalade? Non. Ah non, là-bas. Ok. Voilà, merci. Là. On va utiliser le feu de camp, à mon avis. Ah, si je peux améliorer quelque chose. Pas du tout. Même si je peux améliorer mes armes, mais bon, tant pis. J'ai terminé 1 sur 5. 1 sur 4, pardon. Et oui, mais l'autre défi, pardon, je me suis encore trompé de bouton. L'autre défi, c'était là. J'avais. Bon, là, j'avais fait la mission. Et après, c'est erreur fatale. Divergence d'opinion et capture de drapeau. Malheureusement, je devrais pas pouvoir réussir à faire grand chose puisque je n'ai aucun équipement. Je n'ai ni le couteau pour couper les drapeaux, ni les flèches de feu pour pouvoir brûler le reste. Après, il y a juste les ordinateurs que je peux faire, mais dans tous les cas, je les ferai pas parce que je ne les trouve pas. Pas bien grave, hein, je peux monter là. The fuck? Pff, oula. Calme-toi, Lara. Voilà. Yop là. Attends des loups. Là, par exemple, il y a un drapeau. Dépasser ce point, des flèches grappins sont requises. Ah oui, mais je n'en ai pas. Je ne sais pas comment les avoir. Donc, tant pis. Je crois que ça s'est pété la gueule. Mais je suis pas sûr. Alors là-bas, il y a quelque chose, on va les récupérer. Pour soigner. Oui, quelle touche c'est pour soigner, ça doit être V. Ah, c'est V. J'en ai pas besoin. Donc, on va regarder tout ce qu'il y a à prendre par ici. Yes.
Ça, apparemment. Ok. Alors, attends, parce que là, y a pas mal de trucs, apparemment, dans le coin. Il y a le drapeau, là, mais évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas le couteau. Il faut le couteau. Sinon, ça ne marche pas. Et il y a ça. Qu'est-ce que ça? Attendez. Rien à récupérer ici. Et là. Par l'arbiarion, d'accord. Gros blizzard, génial. Allez hop, go. Ah, génial. Donc, excusez-moi encore une fois. Je peux monter. Ah, arrête. Arrête de faire chier, toi. Voilà, merci. Ça là-bas. Ce texte, il semble mener vers quelque chose à proximité. Cache de monnaie révélée, on verra ça plus tard, c'est pas important. Je peux monter par là. Je peux monter par là comme je peux monter par l'escalier. D'accord. Les Trinitaires en ont pris le contrôle. Fouillez les buissons. Mais là, il va tellement me voir en fait. Alors, rien. Je la vois, elle est là. Toi et moi. Ça va, l'animation bloquée. Bonjour. Là. Donc lui apparemment j'ai pas besoin de récupérer le butin, hein, c'est ça. Nickel. Est-ce que je peux ouvrir? Apparemment oui. Cabane à provisions, utiliser les pièces byzantines pour acheter des objets aux techniciens de l'ordre de la Trinité. Approchez-vous. Ok. Écoute, je suis de ton côté. Je suis technicien, j'assurais la maintenance des Trinitaires. Mais il faut que je me tire d'ici. Ces types sont... Ils s'en foutent. J'ai stocké du matériel, il est à toi. Si t'as de quoi payer. Ils remarqueront pas s'il manque quelques objets. Mais s'ils le découvrent ou qu'ils nous voient ensemble, je suis un homme mort. J'ai besoin d'une monnaie intraçable au cas où les choses tournent mal. De l'or, de préférence. Alors, marché conclu. Je vais voir ce que je peux trouver. Puis les fusils lance-grenades, oui. Ascenseur à cordes. Permet plus rapide. Là, je suis rapide. Intéressant. Ou alors... Oh, des armes directement. On va lui tirer dessus, dommage. Ok, donc c'est à ça que sert l'argent. Ouais, je la récolte, hein. Mais bon, comme vous avez pu le voir, j'en ai pas masse. Mais c'est pas grave, on va monter. Ou alors, non, je peux aller là-bas. Là-bas, il faudrait que j'y aille. Mais attends, je regarde vite fait s'il y a quelque chose. Non, attends, il y a plus de camp. Va prendre le feu de camp. Ah, on peut améliorer un truc dans l'inventaire. Améliorer crochet. Balle. Ça, d'accord. Ou alors. Ah, ou alors. Arme. Non, arme, j'ai rien à améliorer comme d'hab. Alors ça déconne, je sais pas pourquoi. Donc, je vais améliorer le crochet. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Ah non, je l'ai déjà pris, pardon. Donc poche de munitions pour fusil.
Ouais, non, c'est pas si nécessaire que ça, on peut attendre. Là, je vais vérifier, parce que je suis sûr qu'il y a quelque chose, hein, c'est pas possible. Là, non. Là, non. Et l'arc. Non plus. Je ne sais pas. Ah oui, il y a ça à faire. Lui, je l'ai pas fouillé. Encore de la propagande soviétique. Ah, silencieux pour pistolet? Ah, j'avais pas vu. Ah, vas-y, maintenir. Vous avez du goût. Programme sur des pièces d'équipement spécial, c'est oui. Comment que ça marche? J'imagine qu'il faut que je retourne là-bas. J'avais pas vu, ils ont un silencieux, ça peut être vachement utile au final. Alors attendez. Là, j'imagine que là. Pistolet. Que ça marche. Ah, il est équipé automatiquement, d'accord, je viens de le voir. Là par exemple, je prends ça. Putain. C'est pas comme dans Resident Evil où on peut buter le marchand. Quelques flèches parce que j'en ai plus beaucoup à ce que je vois. Et allez go. Vous ne faites plus aucun rapport. Les Trinitaires sont inquiets à votre sujet. Les natifs nous donnent du fil à retordre. Nos transmissions ont été HS, mais on a fini par reprendre les choses en main. Si la situation échappe à votre contrôle, alors nous interviendrons. Inutile. Je n'ai pas été envoyé là par hasard. J'ai été choisi pour ça. Je vais réussir. Je vais m'en assurer. Alors. Ok, on s'est fait choper. Soit. Lara, est-ce que ça va? Oh, j'ai eu peur. Oh, Anna. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Qu'est-ce qui se passe, Lara? J'ai peur. Je suis désolée, Anna. Je ne pensais pas qu'il s'en prendrait à toi. Tout est de ma faute. Mais qui sont ces types? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Ils sont après la même chose que papa. Oh non, Lara! Je t'avais dit de ne pas t'engager là-dedans! Donne-leur ce qu'ils veulent, qu'ils nous laissent tranquilles! C'est plus compliqué que ça. Accroche-toi. Je vais nous sortir de là. On va y arriver. Comme ça, elle ne sait rien. Ah ouais, d'accord. Quoi? Toi? Non. Tu es avec eux? Comment c'est possible? Espèce d'enfant.
pouvais pas laisser tomber. Je te connais. Je savais que tu finirais par nous conduire à cet endroit. Qu'est-ce que vous me voulez ? Nous pouvons trouver un accord. Nous cherchons la même chose. Tu pourrais nous être utile. Tu as besoin d'avoir un but dans la vie. Nous pouvons t'en donner un. Non, mais tu te fiches de moi ? J'ai pu voir comment agissent les Trinitaires. Est-ce que c'est un nom ? C'est un va-te-faire-maître ! Quelle vulgarité ! Je suis curieuse, Anna. Tu as été recrutée par les Trinitaires avant ou après avoir commencé à coucher avec mon père ? J'aimais Richard, tu le sais. Mais il était aveuglé par son idéalisme. Et ça l'a détruit. Qu'est-ce que tu veux faire de cet artefact ? L'exhiber aux yeux du monde ? Redorer le blason de la famille ? Tu es tellement naïve. Tu n'es qu'une petite fillette apeurée qui essaie de marcher sur les traces de son père. On n'en tirera rien. Non. Pas tout de suite. Toi et moi, on peut encore arriver à trouver un terrain d'entente. Réfléchis bien, Lara. Terminé. Enfoiré ! Évidemment. Peut-être qu'il n'a jamais connu que ça. Je me croyais seul ici. Moi aussi, mais ce n'est pas le cas. Comment s'appelle ma nouvelle compagne d'infortune ? Vous fatiguez pas, je compte pas rester. Constantin est très impatient. Je le suis aussi. Je vois ça. Joli tour. Vous pouvez nous faire sortir ? Il n'y a pas de nous. Je ne sais même pas qui vous êtes et ni pourquoi vous êtes là. Désolée. Je suis en pleine crise de confiance en ce moment. Vous n'irez pas très loin sans moi. Vous n'avez aucune idée de qui je suis. Cette prétention. Cette prétention. C'est une secte, ancienne et mystérieuse. Ils pensent qu'ils sont le bras armé de Dieu. De ce que j'ai vu, ils sont loin d'être des enfants de cœur. Ok. Donc, ce que... Je sens de l'air qui sort par là. Je peux peut-être dégager le passage. Donc, bien évidemment, je vais vous laisser là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous rappelle que bah, ce soir, je ne stream pas, malheureusement, comparé à d'habitude, mes habitudes habituelles. Donc, je ne stream pas, je streamerai vendredi. Mais d'habitude, je stream le lundi, le mercredi et le vendredi, sauf ce mercredi-là, pour des raisons personnelles. Du coup, je cherche la même chose que vous. Une chose que nous ne pouvons pas leur donner. Oui. Pouvons ou voulons ? Y a-t-il une grande différence ? Oui. Vouloir, ça implique un choix. Bien vu. Donc, que voilà. Et du coup, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.